Oui, c'est vous, Loïc Michel? Si, c'est moi. Vous êtes le coiffeur de cul? Oui, je suis le coiffeur de cul. Alors, dites-moi tout. Pourquoi vous faire coiffer les fesses? C'est pour faire des perfects. Des perfects? Qu'est-ce que vous entendez par perfect? Quand on fait caca et que... y a pas de traces sur le papier. Pas besoin de s'essuyer, quoi. Dans les fesses. Je comprends. Je suis là pour ça. Tenez. Remplissez et signez ce formulaire. Une simple formalité. Alors dites-moi, d'où vous vient cette nouvelle et soudaine passion des parfaits? C'est éco-responsable. C'est pour faire des économies sur le papier cul. Oui, vous êtes faussé, quoi. Oui, je suis fauché. Mais c'est aussi pour... Vous êtes sans le sou. Oui, mais c'est aussi pour la planète. La planète. Elle est bien, votre planète. Enfin, notre planète. Car moi aussi, je suis terrien. C'est bon, c'est signé. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait les pointes, on désépaissit, on rafraîchit? Ah non, 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 juste épiler tout le cul. Quoi? On n'est pas chez Body Minute ici. Épiler le cul, ça sert à rien. Moi, je coiffe. Je coiffe le cul. Mon père coiffait le cul, mon grand-père coiffait le cul, et je suis fier. La coiffe de cul, c'est tout un art, monsieur. Pour que votre selle sorte sans laisser de traces. Mon approche est certes sensible, mais aussi subtile, sur le processus de coupe de cheveux de cul. Mettez-vous à quatre pattes sur le fauteuil, monsieur. Là, comme ça? Eh oui, vous êtes en sécurité. C'est un safe place, ici. Allez-y. Bon. Très bien. Je vous laisse baisser votre caleçon. Super, super. J'ai l'habitude de travailler sur cheveux secs. Vous voulez faire un shampoing? Non, non. Je me suis lavé avant de venir. C'est parti. Ma mère aussi, elle a un cheveu sur la langue, vous savez. C'est pas facile tous les jours pour elle. Du coup, être un coiffeur avec un cheveu sur la langue, bah, ça doit être chiant. Je n'ai pas de cheveux sur la langue, monsieur. Mais si. Bon. Ok. Y a pas de souci. Y a pas de souci. La position, elle est pas pratique aussi. Voilà, j'ai fini. Je vais passer à la vérification du parfait. Levez-vous. Allez-y. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bah, sier. Deux. Sier, faites caca. Ici? Bah oui. Vous en faites pas, je vais réceptionner. Bon. Poussez. Allez, poussez. Magnifique. Elle est somptueuse. Hop, emballée. Puis vous la gardez? Oui, toujours les premières crottes. Mais le plus important, je vous laisse vérifier qu'il n'y ait pas de traces. Ça alors? Je le récupère. C'est incroyable! Oh! Il m'en reste un peu. Je vous l'emballe? C'est-à-dire? J'ai encore envie de faire caca. Vous en voulez? Enfin, monsieur, vous êtes sérieux? Il y a des toilettes pour ça! C'est la porte à gauche!
Ah ouais, vous avez vraiment pas de papier toilette ici? Bah oui. Ça y est, vous êtes bien installé. Ah oui. Stanislas, sors de ta cassette. Oh putain! Il y a un serpent dans les chiottes! Ah bon? Mais c'est quoi ce bordel? Un serpent, vous dites? Putain, il essaie de me rentrer dans le cul! Il ne me remet pas, mais qu'est-ce que vous faites? Mais laissez-moi sortir! Il de vous débattre, mon cher monsieur. Nous sommes des hommes serpents. La coiffe de cul est nécessaire à notre expansion. Nous avons besoin qu'il n'y ait aucun obstacle, aucun cheveu qui puisse gêner notre entrée dans le point d'insertion pour s'emparer de votre corps et ainsi dominer le monde. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai pas signé pour ça! Eh bien, si, vous avez tout accepté. Car dans le formulaire, en tout petit, en bas, il y avait un autre formulaire qui m'autorise moi et toute mon espèce à posséder votre corps. Bientôt, il y aura des serpents dans toutes les toilettes de votre planète. Il est déjà trop tard. Stanislas. Oui, Seigneur Suprême. Super. Je peux vous poser une question, Seigneur Suprême? C'est pour mieux conquérir le monde que nous conservons les premières crottes des humains? Non. Ça, c'est moi qui aime bien.